à tous. On se retrouve vite fait avant l'enquête, enfin avant même ma vidéo, pour que je vous explique un petit peu le pourquoi du comment de ce format de vidéo. Donc là, la vidéo que vous allez voir, c'est un condensé d'une enquête de 12 heures que j'ai fait dans ma dépendance. Je vous ai retenu les moments pour moi qui méritent de s'arrêter, donc je parle pas de preuves. C'est des choses que je pensais que c'était important de les mettre en évidence. Donc je pense que cette vidéo là, je l'ai pas montée encore, mais justement j'ai besoin de ce que je fais là pour la monter. Donc elle devrait durer une trentaine de minutes je pense, et ça sera un condensé de 12 heures d'enquête. Il s'est passé plein d'autres petites choses que j'ai pas mis dans cette vidéo, mais qui sera proposée dans la version longue. Faut savoir qu'il y aura 3 vidéos. Donc là, vous allez regarder la vidéo la plus courte. Voilà, allez, je vous souhaite un bon visionnage. Paranormal, donc accompagné de Vika. J'ai déjà eu un petit souci technique, mais qui peut s'expliquer. Je pense que la carte SD était pleine de ma pêche à l'aimant. Donc on se retrouve où tout a commencé il y a 4 ans. Donc là, je vais vous proposer une expérience unique sur ma chaîne. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais tenter de créer un stimulu du passé avec divers objets, et je vais essayer de dormir toute la nuit dans la dépendance. Donc pour cela, j'ai emmené beaucoup de choses que je vais vous expliquer. Vika avec moi. Donc la caméra fait de la gueule, mais c'est pas grave. Donc pour ceux qui connaissent pas, je vous donnerai les liens de mes différentes vidéos enregistrées ici, accompagnées ou non. Donc comme vous pouvez le voir, c'est déjà meublé, mais donc je vais vous expliquer tout ça. Donc j'ai mis ça ici avec Cathy parce que ça embarrassait d'autres dépendances. Et on s'est dit on va mettre ça là, en attendant. Ça va
donner un petit peu de, entre guillemets, de vie à la pièce. Donc il s'est passé énormément de phénomènes ici depuis que j'habite dans cette maison. Certains peut-être explicables, d'autres non. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de faire une découverte du lieu d'environ 1h, 1h30, avec vous et différents tests, avec Vika, qui... j'ai changé d'installation, donc je pense falloir régler tout ça pour les prochaines sorties, surtout quand elle bouge. Donc l'idée, tout à l'heure, c'est de mettre un matelas là, et de... Oui, Vika, moi aussi, je t'aime, mais tu me colles comme ça. Donc c'est de mettre un matelas ici, de laisser les caméras tourner. Donc de ce fait, je vais amener un fil électrique de la fenêtre à là. J'ai acheté une carte giga de, une carte de 64 giga SD, donc qui peut filmer normalement 5h30. Donc ce que je ferai, cette carte là, je la mettrai au moment où je vais aller me coucher. Et là, une fois que cette séquence de jour sera enregistrée, je vais laisser une GoPro tourner pendant au moins 4 heures. Donc moi, je vais revenir ce soir sur les coups d'11h, toujours avec Vika. Elle pille, mais c'est parce que vous voyez, comme on a accès là, elle voit peut-être des voisins ou choses comme ça, hein, c'est rien. Donc l'idée, c'est ça. Sachant qu'il s'est passé pas mal de phénomènes, bah, en dormant ici et en ayant une enquête d'environ 8 heures, là, je pense qu'on va taper large pour avoir éventuellement des résultats ou non. Donc, je me présente encore à nouveau pour le monde de l'invisible. Donc, je m'appelle Urban. Mon chien s'appelle Vika. Vous me connaissez très très bien parce que ça fait environ 9 ans que j'habite dans cette maison. Et je vais essayer avec vous aujourd'hui de communiquer. J'ai amené énormément de choses. Et si vous pouviez faire un signe de votre présence, ça serait vraiment génial. Que je pensais, on va écouter ce qui s'est passé. Après, normalement, ici j'ai mes baguettes de sorcier. Ouais. Et je pourrais éventuellement tenter de. On écoute ça après. Ouais, on va écouter après. Si j'y pense, on va
rester sur les baguettes de sorcier. Et après, je vais tenter. Je vais tenter de l'écriture automatique. Je sais pas si vous voyez bien par contre. Je voudrais savoir s'il y a des entités dans cette dépendance qui désirent communiquer avec moi. Bon, bah, nous voilà repartis. Il est 11h passé. Donc j'ai laissé un petit peu la lumière. Le temps de m'installer un minimum. Donc les deux caméras ont... Oui, oui. Les deux caméras sont éteintes. Donc je devrais avoir plusieurs heures de rush à analyser. Visiblement rien n'a bougé. Je vais pouvoir peut-être éteindre une torche. Rien à bouger, les cartes et tout. Bon, après, faut tout regarder hein, parce que j'avais pas mémorisé. J'avais pas tout mémorisé. Hop. Alors, voilà un petit peu comment je vais m'installer. C'est Vika. Donc, la caméra, je vais la mettre là. Et la lumière infrarouge ici. Le matelas, je l'ai pas encore gonflé. Je vais mettre ici. Je vais m'installer après quand je serai en plan fixe. Donc je suis venu tout à l'heure. J'ai essayé de parler au monde de l'invisible. Il y avait beaucoup de bruit extérieur. Là déjà c'est beaucoup plus calme. Je vais éteindre cette lumière là aussi. Ça ne sert à rien d'avoir 50 lumières.
passer. Je bosse tout à l'heure. Alors j'allais m'allonger quand même 2-3 heures. Enfin pas 3 heures, 2 heures. À la maison sur un truc un peu plus confortable. Pour faire ma journée de boulot pépère. Parce que là, ça va être dur sinon. Il me reste encore toute la semaine à travailler. Donc je vais laisser tourner. Sol, c'est...